Il avait choisi son fils pour qu'il devienne qui? Premier ministre. Non, pas du tout. Pas du tout. Papa Nayo, Azali, Batye, Sika Fulani, Asi Akoufi. Il y a solo vraiment, yo okola mouka, olongwe na mboka, oke nekota la match. Na Maroc, avec Moïse Katumbi, ce qui papa Nayo n'a pas connaît. Olobi qui batte qui de pèse. Batte qui est de pèse. Mais qui? Je vais vous donner un exemple. Depuis que l'île de Pes existe, il ne faut pas oublier que Roger Lumbala était membre de l'île de Pes et j'ai assumé des fonctions au sein de l'île de Pes. Depuis que l'île de Pes a commencé, il n'est jamais arrivé au président Étienne Tshisekedi d'aller prendre un secrétaire général qui vient de la province. Comme par hasard, aujourd'hui, comme M. Moïse Katumbi Tshiapoué a eu la même mise, ce qui m'a dit tient la pompe funèbre naturelle. Et Zalokuta, je confirme encore le nom que Bakundi, M. Étienne Tshisekedi. Alors, il faut que j'explique. Kokunda n'est pas un abisso, le peuple congolais a messana na Kokunda ya Kozomutu, Botiena Mabele, Bokundi. C'est ça ce qu'on appelle enterrement. Mais n'a pas tout à la tiroir, au bazar Lobawana. Ba tiroir, on a Ezalakande la cimetière. On va bien gaba caveau. Ce qui va le bélier en dengwana. Parce que l'on a coupé sa vérité. Comment expliquer yo mobali Azali na pompe funèbre ba kondié na ngouté mobali Azali na pompe funèbre atako et pas y a ba pygmé et ko ko ça les maté ba ça les layo fête y a gâteau na champagne ngana na boité ki makambo ba ça la ndenge balingi. On a l'unité des peuples congolais à Fongola Misu à comprendre que ma Kambouluma la Zakoloba est. Les Congo à L News, première chaîne d'info. Bonjour, bienvenue dans l'émission de l'avenir du Congo. Le Congo est une émission qui nous permet de soutenir l'avenir de la République démocratique du Congo dans la diaspora, et la diaspora dans la République démocratique du Congo. Dans la journée, il y a un honorable Roger Lumbala. Honorable Roger Lumbala, à Kindaki Kinshasa, tu es bien sûr dans l'asile, à Kindaki Kinshasa, par rapport à l'accord, il y a le 31 décembre, où il y a Roger Lumbala à Kindaki Kinshasa pour négocier, parce que tu es bien sûr que Kabila a fait un mandat, mais rassemblement, il y a prolonger Kabila pour la solution ni va trouver pour les Congolais dans l'élection. Roger Lumbala a été en France, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es au Koutananaï pour parler un peu, tu analyser un peu la situation politique actuelle et la République démocratique du Congo. Honorable Roger Lumbala, bonjour. Bonjour. Alors, honorable Roger Lumbala, tout le monde est en Europe, en France, tu es pourquoi Roger Lumbala aujourd'hui est en France. Est-ce que M. Roger Lumbala aux gens qui ont asile encore ou qui ont une mission de service, pourquoi aujourd'hui en France? Parce que tu as dit aux gens qui ont Kinshasa pour un accord il y a le 31 décembre. Alors pourquoi où est en France? Mais avant de dire que tout le monde Roger Lumbala, il y a résident en France. Il y a en France. Donc à tout moment, il y a un coquille pour Kinshasa pour aller en France. Donc il y a un bala Oyo. Naïe pour nous avoir une consultation médicale, na komi, na kembalamo pour na kutani na ba médecin angai, na sololi na bango, na silisi yango de na i vandi mbalamo pour na kozela mokolo onga na kozonga na mboka na biso. Alors Roger Lumbala député, est-ce que tant au komi na Kinshasa, est-ce que je ne sais pas, où c'est là qui va démarche pour que au répondre va fonctionner na Kinshasa ou pas? Na bandi que ba démarche wana na tango na komaki na zalaki na nous préoccuper na ba dossier oyo et talaki makambo ya rassemblement nde na yango wana na kipaki na ba dossier wana penza te na mikotisaki mutu mobimba na makambo ya rassemblement lokola désordre zalaki mingi et puis lokola to tie ordre et que nous avons fait échouer mission au Ezala qui que les anarchistes katumbistes pour basala bazwa primature yamboka pour basala mboka na ndenge balingaki lokola mission ana est échouée
na banzi siko na bozongi nanga na kende ko tala ngai moko makambo o matali makambo matali réhabilitation ya mandat. Est-ce que lorsque vous parlez Bolobi que vous réglez vos problèmes, Bouzo Banabango, c'est quoi les problèmes au Bango Babane que vous posez? Parce qu'aujourd'hui vous parlez Bolobi que Bino Bozu prématuré, est-ce que vous serez capable d'organiser les élections à la fin de l'année? Parce qu'il ne reste que 6 mois. Est-ce que ceux qui Papesaki Bango prématuré, Elingaki Kotikela, Elingaki Kotikela, Pempona Bango, 6 mois. Est-ce que Bakoka qui est capable de organiser l'élection dans 6 mois. Parce que Bamba Lobby qui va dans l'État, il y a dans la cabine. Vous êtes là pour prolonger Kabila. Ça, c'est les propos que tient justement Rassemblement. Parce que ce sont des propos. Nani à tenir propos. Ce sont des propos de M. Kalombo qui dit clairement dans l'interview dans Salaki que non, Bino Zawana pour justement rallonger Kabila longtemps et que Bamba Zawana pour vraiment que Kabila fin de l'année pour le mois. Je ne peux pas polémiquer avec. Ça, c'est le propos du Rassemblement. Je ne peux pas polémiquer avec mon jeune frère Francis Kalombo à Yébi, Manso ou à Salaï Pona Kabila, la Kati Yamboka. Ce qui, Balobike, Makanisi, où il y a Rassemblement, où Etienne Bruno Tshibala, les aïe, pour prolonger Kabila. Non, le 19 décembre 2016, Banani va prolonger le mandat du président Joseph Kabila. Tokende na ba détail wana te parce que okoyako monake bangonde po ngonga wana nga nazala kina no na exil soki to zongi na makanisi wana okomona ke bakoki ko tenir un discours démagogique te nde biso toza koloba ke na ndenge Bruno Tshibala a joué esika wana nous avons déjoué une mission oyo elingaki kozwa la République démocratique du Congo ko pesa yango na maboko ya ba affairiste. Est-ce que vous comprenez la lutte de M. Roger Lumbala, c'est de permettre à ce que le Congo soit bien géré et non pas qu'on pèse Yango dans ma boko, il y a un affairiste. Mais là, qui gère bien le Congo? La province du Katanga, et il faut leur donner aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je me battrai jusqu'à l'avant-dernière énergie et sans répit pour que les Congolais puissent comprendre que la lutte de M. Roger Lumbala est fondée sur le bien-être social du peuple congolais, est fondée sur la sécurité des citoyens congolais. Et cette lutte-là, elle est fondée dans la logique qu'il y a que Tomema Batutokene Nakatiya élection. Mais lorsque vous parlez de ça au Congo, Tomoni. Bon, ça c'est selon les Congolais. Les Congolais ont voté que Katumbi a bien travaillé parmi autres gouverneurs dans le Congo. Parce que lorsque les affairistes ont le pouvoir, pour avoir une vision que le Congo, il faut transformer ça en un bijou que les politiciens ont échoué. Lorsque vous parlez que vous pensez que le Congo est un bon gestionnaire, à qui vous dites qu'il est bon gestionnaire aujourd'hui au Congo? Le bon gestionnaire, c'est celui qui parle avec vous, M. Roger Lumbala. Et quelqu'un d'autre aussi qui peut se proclamer bon gestionnaire. Parce que là vous dites que Boy Kopé Sango affairiste, mais Roger Lumbala aussi, les gens pensaient que vraiment Roger Lumbala, vous avez fait un bon pipe pour Kabila. Certains pensaient que Kabila allait vous nommer peut-être un ministre ou premier ministre parce que votre nom apparaît aussi dans la liste de la première ministre. Mais tout le monde comme on n'a mis nulle part, est-ce que Roger Lumbala est en colère ou pas? Qui est le vrai gestionnaire de diriger le Congo aujourd'hui? Parce que Bango va vivre Bango. Au Yébita, on a posé la question qu'on a répondre au Léki Nayami Balé. Si on a posé la question, on a gagné le temps. Mais si on a gagné le temps, question a posé la question de Bayo Kabiso. C'est quand on a dit que Géraki Katanga bien. Non, le Katanga est aujourd'hui dans une situation très difficile. Souvenez-vous qu'il a fallu que Bakeniko Somba, Basaki a foufou, Basaki a farine. Pour aider le peuple du Katanga. Ça, ce n'est pas une bonne gestion. La République, aujourd'hui, a constaté qu'il y a eu la spoliation des minéraux de la République démocratique du Congo qui traversaient la frontière pour aller à la Zambie. Mais je ne peux pas revenir là-dessus parce que l'État congolais fait ce travail-là. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a, il faut trouver la bonne personne. Et je vous dis, moi, Roger Lumbala, comme tant d'autres des Congolais qui se sont battus pour la République démocratique du Congo et qui étaient dans l'opposition au moment où les compatriotes que vous citez là étaient, et ils ont raffermi
le pouvoir actuel dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, à un moment donné, il faut avoir honte de parler de ces gens-là. C'est ça que moi, j'ai... Parce que vous savez, en politique, il y a des gens qui pensent qu'on peut tout faire, mais Roger Lumbala pense que nous devons avoir de l'éthique politique. Et je ne peux pas tolérer. C'est ce qui m'a engagé dans la logique de dire que je ne pouvais pas laisser passer. Si l'UDPS a été vendu à Moïse Katumbi, il ne pouvait pas se permettre de vouloir prendre le rassemblement et donner à Moïse Katumbi. Je parle avec la raison pour laquelle je me suis battu et nous avons eu raison. Je parle avec la famille Etienne Tshisekedi. La famille Tshisekedi, il y a sa famille ici en Europe, en Belgique précisément, la Benga Kibango, concernant cette histoire, parce que bon, moi, il ne pèse pas Tshisekedi. Et j'avais même posé cette question à Félix en 2016, février. Naitunaki et Félix, est-ce que Otekili Katumbi il dépèse? Ils ont dit non. Mais lorsque vous dites que Félix Bateki il dépèse, alors quelles sont les preuves aux gens apportées pour dire que non? Parce que les Congolais se posent aussi des questions lorsque vous dites que Bateki il dépèse. Y a-t-il des preuves? Mais Natangi, comme à Félix, il ne faut pas le mêler. Il n'est pas secrétaire général, il n'est pas président de l'UDPS. Parce que Bateki il dépèse. Bateki il dépèse. Mais qui? Je vais vous donner un exemple. Depuis que l'UDPS existe, il ne faut pas oublier que Roger Lumbala était membre de l'UDPS et j'ai assumé des fonctions au sein de l'UDPS. Depuis que l'UDPS a commencé, il n'est jamais arrivé au président Étienne Tshisekedi d'aller prendre un secrétaire général qui vient de la province. Comme par hasard, aujourd'hui, comme M. Moïse Katumbi Tiapoué a eu la même mise sur l'UDPS, vous avez vu qu'il y a eu M. Jean-Marc Kabound qui est venu de Kamina pour assumer les fonctions du secrétaire général du parti. Mais ça, ce n'est pas... Cela ne nous concerne pas. Ça, c'est un parti politique. Si M. Moïse Katumbi a fait l'OPEA sur l'UDPS, c'est le problème de l'UDPS, le problème des membres de l'UDPS. Mais nous disons tout simplement qu'il ne pouvait pas se permettre de ramener la même mise de Moïse Katumbi au rassemblement, là où nous sommes. C'est pourquoi on s'est insurgé. C'est pourquoi la seule autorité officielle que M. Étienne Tshisekedi avait désignée en la personne de Bruno Tshibala, le porte-parole du rassemblement, a refusé. Parce que c'est Moïse Katumbi, dans sa conférence à Genève, ce samedi, a dit clairement que Étienne Tshisekedi avait choisi son fils Félix. Là, vous dites que c'est M. Tshibala. Il avait choisi son fils pour qu'il devienne qui? Premier ministre. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vivaient avec Étienne Tshisekedi, il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'est pas parce que vous êtes le fils biologique d'un leader qu'il vit avec vous. Non. La seule personne aujourd'hui, ce qui est reconnu à travers le monde, qui était avec Tshisekedi jour et nuit, c'est Bruno Tshibala. Et Bruno Tshibala confirme que ce n'est pas le nom de Félix qui avait été donné, c'est par contre le nom de Valentin Mobake qui avait été désigné par le président Étienne Tshisekedi. Et Mobake leur a dit au cours d'une plénière du dialogue pour dire que quand le président Étienne Tshisekedi parlait du premier ministre, il parlait de moi, Mobake, et non pas de Félix. Donc vous savez, ils sont entrés dans de magouilles que personnellement je ne peux pas m'y mêler. J'ai dit tout simplement qu'ils ont échoué. C'est la mission qu'ils avaient de faire échouer pour qu'ils ne soient pas premier ministre. Et nous avons réussi à cette mission-là. Merci beaucoup, Marc-Claude Poston. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu es pas honorable Roger Lumbala à Outi Kinshasa pour te analyser un peu la situation actuelle parce que Roger Lumbala avait tenu des propos, bon, bien, très bien, démontré qui est Étienne Tshisekedi, qui est Bakunda, qui est en Belgique. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous allons évoquer ces points, comprendre un peu ce qui se passe. Monsieur Roger Lumbala, tout cas, il y a un deuxième point toujours parce qu'il y a parlé un peu sur Étienne Tshisekedi, en termes Étienne Tshisekedi, parce que Bissot, tout ça là, qui, selon va proposer nous à Kinshasa, et engagé qui Bissot vraiment à tout en réel. Relation à la famille Naïto, mais vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Alors, famille Naïto, il y a dit que Étienne Tshisekedi, Azali, na pompe funèbre, il y a XL, Azana tiroir, il y a conservé pendant un an, deux ans, trois ans, et puis qu'on est causé à Kinshasa. Mais lorsque vous dites que quatre personnes, il y a qui n'enterrent pas privé à Bruxelles, alors qui vous a dit cela?
quelles sont les preuves? Parce que au trouba qui a un peu le peuple congolais c'est posé qui ma question, donc pour que tu comprennes un peu, parce que nous fonctionnons dans ma preuve. Qui vous a dit cela? Qui vous vraiment vous a dit effectivement ma kunde que tu ce que dit? Mais vous savez, je suis très content que yo olobelanga qui va lobe lui que va checker le tiroir pompe funèbre et ça le tiroir était pompe funèbre et les places matin ma cercueil. Qui vous a dit que bah tiens le tiroir de pompe funèbre? Ce qui tiroir ezali bah benga kayango caveau. Caveau ezala kande le cimetière. Tu comprends? Caveau ezala kande le cimetière. Caveau nde oza ka tiroir oyo ba chaka batu. Encore une fois, oza ko confirmer makambo nga la lobaki. Non, je dis simplement ce que la famille m'a dit. Mais si la famille t'a dit que Etienne Tshisekedi a la pompe funèbre. C'est ça ce qu'on t'a dit? Oui, effectivement. Bon, alors, on a dit que la pompe funèbre est à la place de garde la bimbété. Pompe funèbre est à la place où il y a un cercueil. Il y a un tombe. Ce qui est dit, c'est que la pompe funèbre est un tiroir. Et ça, c'est un. Je confirme encore le nom. Que. Bakundi, monsieur Etienne Tshisekedi. Alors, il faut que j'explique. Kokunda et pas une abisso, le peuple congolais a messana na kokunda ya kozomutu botena ma belé, Bakundi. C'est ça ce qu'on appelle enterrement. Mais n'a pas tout osé na tiroir, ou bazako lobawana. Ba tiroir wana ezalakande na cimetière. Ou ba benga ba caveau. Ce qui ba lobeli ndengwana, bazako linga ko pesa vérité. Mbuta mutu Etienne Tshisekedi a sa kondami na ba caveau. Nde bakosiyo ke batiere na tiroir na pompe funèbre. Te azana caveau na cimetière. Ezali enterrement. Na yango wana. C'est pourquoi nga na lobaki boy. Soko tali comportement ya bana ya Tshisekedi. Otali comportement ya famille ya Tshisekedi. Nde oyo ko la kisabilo ke basiba kundeki mbuta mutu Etienne Tshisekedi. Nayokaki. Ke na tango oyo yo papa na yo azali batye sika fulani asi akufi ya solo vraiment yo okolamuka olongwe na mboka oke ni kotala match na Maroc avec Moïse Katumbi chapo ce que papa na yo nanu akunda mite ya solo vraiment na yo kakike bana bazwa ki mawa ya ko salela mama Marthe fête ya anniversaire. N'habitez ce qui y est. Oui, j'ai suivi. Mais comment expliquer yo mon Bali, Azali n'a pas pompe funèbre, pas condamné d'un côté. Mon Bali, Azali n'a pas pompe funèbre. Attends quoi? Et pas y a pas pygmée. Et quoi? Il faut ça les mater. Bah ça les layo fête. Y a gâteau, na champagne. Nganabu na boité qui makambu. Bah ça la rendez balingi. Mais la ligne de peuple congolais a fongo la miso à comprendre. Que ma kambouluma la zakoloba est à solo. Boutamoutou et Etienne Tshisekedi, Gala linga qui est pour la salle qui est moussala. Moto tout oyo a koki kozalana Congo, a koki jamais qu'on remettre en cause ma litou na la salle. Boutamoutou, c'est ma kundiye na kavo. Est-ce que c'est ma kunda qui désaye? Est-ce que honorable Roger Numbala, est-ce que vous allez dans le testament Etienne Tshisekedi? Est-ce que la famille Tshisekedi, vous allez dans le testament là-bas? Testament pour la zonine. Testament. C'est que la route qui est en anime, le testament, Ndako Tonin. Reconnaissance. Yokangaï. Testament politique, il y a Etienne Tshisekedi. Ne obisou tout, tout ça qu'on revendique. Donc, Lumbala Azana, droit na yé. Nandengenga la bunde la ka yé. Félix Saboy, Yeah, yoka ki makambo ngala lo bela ki ete a yo alanda ki conseil na pesa ki ete matalié na lo bela ki ete na combattre pe akboyi voilà problème les atiens voilà tout fou la za ko lo baké na cadre ya testament les ali que testament politique ne autre ko bundela oyo
Lumba lazana part nena quand il y a testament politique il y a Étienne Tshisekedi. Voilà, tout font l'affaire comme il a sans pour vous vous bah élu à Kasai maintenant ce qui se passe na Kasai na comme il a sans pour la ligne qui est-ce que bah Congolais va se poser des questions pouvoir à Kinshasa c'est comme si bah vous salariez et vous l'opposition puis nous dans l'opposition vous continuez au gouvernement alors qu'est-ce que vous faites en ce moment là pourquoi vous êtes gang à Makassi vous êtes dénoncé Makassi c'était ce qui se passe na comme il a sans pour parce qu'aujourd'hui bah Congolais belé bah vous êtes absent en Angola bah oh bah bimi na comme il a sans pour bah continuez en Angola et belé bah qui met la Kasai bah continuez en Angola bah vous êtes bien absent pour na aide bah ça vraiment souffrant alors pourquoi vous boutique terre Rwanda ils allaient occuper comme ça alors rôle na bino c'est quoi être député c'est quoi c'est défendre le peuple ou comment. Je pense que le rôle de l'Ebisse est de défendre le peuple. C'est ce que je pense que Nabanzi, Clément Kankou, à Salaki Yango. À Sali, je pense que le bébé est de se faire, il est de se faire. Mais au lieu de ça, le Belana, à ça qu'on s'est retrouvé na yété. Clément Kankou a neuf ans. Oui, Clément Kankou a neuf ans. Est-ce que à souffler qui au tata et l'eau morotée. Na zako le papa aujourd'hui. Na zako reconnaître, y est na makambo, na zako le bon anaté. Mais kasi dossier na ebi yango penza bien té. Mais na tiki yango l'État a consacré mosala na yé. Mais na zako le baboué. Quand moi na sapu, Ezali, bato oyo, bazala ki consacré la revendication. Suite, il y a des ordres Oyo Bachaki pour la Kolongo, la chef ou la Kamena Sapo. Nangonga Oyo, la Bandike et Salamike, ministre, vice-premier ministre Chadari, a si a trouvé déjà solution, n'a pas problème Mibale. Problème à Liboso, Bazoaki et Bembe, il y a Kamena Sapo, Bazongi c'est la famille Naye, problème à Mibale, Baponi Moto. Oyo famille régnante Oya kamena sapu abimisaki mais pourquoi basoki corne ba sala ngoni ni corne parce que bazongi si corne c'était pourquoi mais parce que ne ko tuna ba tu ya l'état ngala za mutu ya l'état te pona lobela un peu tango kamena sapu akufaka ngala za lakate ne za ka olibanda donc ce ko na mituna ya ndenge wana est-ce que vous maintenant qu'est-ce que vous pensez que l'état congolais a kozong sa ba congolais bazana Angola bazonga Kinshasa ou bien comment est-ce que bino ko sala suivi nango pour bazonga parce que aujourd'hui na Congo ba député nyonso bolingbe ba honorable mais tozo mona rôle ya ba député ya Congo c'est comme si ki komo ya honorable faut ko longola ngola ba député congolais parce que tout le monde veut être honorable mais le travail au bazo sala n'est pas aussi considéré n'est pas compétent oyebi kozala politicien na Congo ezali ne to memi ngambo. Parce que bazala compétent. Na lobi boye. Ezali question ya compétence. Yo o jugé compétent, yo moto vota ki. Parce que bele ba vota ki ba voté ba noma ki bango. Yo vota ki. Oza conscient que bele ba wa noma ki bango. Lobi ha. Oza sûr na makambo zo loba. Menga na za ko loba ke yo o vota ki moto te. Parce que to bino bato ya libango ni la bino yo kanga ina nute. Bino bato ya diaspora mosala na bino. O ya za compétent. Ministre za compétent. Kaka bino de bazala ba compétent. Ne wana biso zo loba boye. Député Oyo ya Congo, Oyo azo sala musala na ye na ndenge elongo bani. Depite musala na ye ezali ya kokende kosala bitumba te. Depite musala na ye ezali ya kokende kokonstruire bandako te. Depite musala na ye ezali ya kokende kokabolaka bambongo te. Depite musala na ye ezali ya kolobela na kokontrole gouvernement. A partir de ce moment-là, na makambo matali kamwe na sapu, ndenge na lobeli yo awa, ba depite ba s'impliquer. Ba s'impliquer ki mingi. Ba Martin Kabuya. Wa Okapi ba Clément Kankou ba député mingi ya Kasai occidental parce que yebi l'ancien Kasai occidental autres zo benga siko Kasai central ezande esika concentration il y a problème ya kamwe na sapu ezalaki ne ngwana tuzako lobake ba député ils se sont investis et bazako kende malembe parce que likambo de tali bitumba c'est facile. Boye bangonga bitumba ekobanda mais ce n'est pas facile ko yeba mokoloni ni bitumba ekoyiko sila. Merci beaucoup to marquer dernière pause to clore émission na biso watu. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Monsieur Roger Lumbala to komina suka émission na biso mais dernier point aujourd'hui to moni c'est Bruno Tshibala, premier ministre actuel ya Congo a déposé budget naye. Est-ce que mbongo ezali na kesa l'état pour na élection aujourd'hui na Congo? Est-ce que mbongo ezali pour na élection à Congo? Budget lingolo bani. Budget lingolo bakembongo ezali? Non, est-ce que bakopimisa mbongo? Budget est-ce que lingolo bakembongo ezali? Asali budget pona ko mobiliser ba recette. Ndenge
à diminuer large assiette fiscale wana pour na mobiliser ba recette na tango ya ko ba recette wana yango ndemu tushiko akopesa na na CENI pour na CENI a organiser ba élection mais tibala lobité ke akokoka yemoko ne yango na a lancer appel na communauté internationale oyo balingi démocratie za la kati ya mboka na biso ngonga yangoyo période yangoyo oyo bango ba yakosalisa biso ba pesa biso mbongo oyo balaka kawana pona tokene na na ba élection. Moi je pense que démarche ya tibala ezali démarche ezali louable oyo ke soki nzamba salisiye soki mbongo emonani tokoy kokende na ba élection. Merci beaucoup honorable Roger Lumbala, merci ngo répondre na ba question na biso. Merci encore à peuple congolais voilà dans l'émission Le Congo. Merci à l'internaute qui a partagé l'émission. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube, Facebook, et à la site Le Congo AL News. Vous poser des questions à vous parce que l'honorable Roger Lumbala est encore ici. Vous allez contacter, vous contacter, vous allez vous commenter à vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire des conseils et critiques à vous. C'est très important pour vous. Merci encore à l'équipe technique, à Marie-José dans la caméra, à l'André Fautin dans la réalisation, et à vous faire des émissions Le Congo. Merci à tous les Congolais. Kabila Nouchi, à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.